Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 139e épisode de notre Let's Play Station Heroes saison 5 sur Vulcain. Aujourd'hui, on va tester les volets roulants. Allez, c'est parti. On est en train de baisser, on t'arrête. J'ai pas mal perdu en température quand même avec cette histoire. Shutter. Ah mais attends, est-ce que je vais pouvoir en mettre dans le sens que je veux en mettre? C'est vrai que c'est censé couper. Ouais, non, c'est censé être leur fonction justement. Shield, this shit, ok. J'ai tout ce qu'il me faut. Juste à démonter l'autre truc. Oula, je vais y faire une connerie. Ça. Du coup, est-ce que je peux en placer un sur au niveau du plafond? Je veux pas te placer là où j'ai besoin de te placer. Oh, collision. Là, il veut pas. En train de me dire, fais ton test plus loin, s'il te plaît. Voilà, comme ça t'es content. Tac, et qu'est-ce que je te démonte avec quoi? Exact. Non. Si. Ok, je peux. Non, c'est juste à placer. Ok. C'est mes premiers. Hein. Alors. Toi.
Ah. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Crowbar. Est-ce que si je te mets à l'envers, ça marche? Tu veux bien te mettre dans ce sens-là? Bien te mettre là, ici, comme ça. Mais là, tu veux pas. Tu veux pas parce qu'il y a l'autre au-dessus. Là, tu veux bien. L'autre, il voudra pas. Déjà. Est-ce que ça règle mon problème? Et bonne nuit, Sabdam. Moi, je l'avais pas. Ça règle pas mon problème que du coup. Du coup, je peux pas le mettre aussi rapproché. Donc, bon, on s'en fout. On va le tester comme ça. C'est juste pour voir ce que ça donne. Sauf que je vais pas pouvoir faire le vide dedans. Que je pourrais faire le vide dedans en faisant ça. Ce serait pas hyper élégant, mais si ça marche, on le fait. Sinon, je vois pas comment faire. Je peux rien monter sur les murs là. Je pense pas. Voilà, déjà. Je peux pas passer de câble. Non, je peux pas passer de câble ici, donc je peux pas le mettre là. Je suis obligé de le mettre devant encore. Ok. Et toi? On va savoir où est-ce que ça va pomper. Avant, ça pompait dans le coin. Dans ce coin-ci ou dans ce coin-là, je sais plus. Maintenant, est-ce que c'est toujours le cas?
Ok. Qu'est-ce qui me manque? Juste ça? Il faut alimenter le truc pour pouvoir interagir. Ok. Déjà, a priori, ça avait marché. Et j'ai pas de radiation. Ouais. Tout bon signe. Faire le tour par là alors que c'est le seul point où je m'en fous. Je peux pas mettre tout contre. Je peux pas me mettre dans ce, à cet endroit là. Ça c'est quand même contraignant. Radiation pas top. Alors que ici, je pense, radiation top. Ouais. D'ailleurs, radiation top. On va te purger gentiment. J'ai besoin que d'un tout petit peu de gaz. Forcément, ça fait baisser la température. Je pense que dans l'absolu, on... on pourrait mettre 5 kilopascal, ce serait très bien. Donc,
640,9. Voilà. 245, 147. Parce que t'es pas dans le vide aussi, il faut que tu sois dans le vide pour être efficace. C'est vrai. Presque dans le vide. Sois dans le vide, s'il te plaît. Considère que tu es dans le vide, s'il te plaît. Ah voilà. Là tu es dans le vide. Et pourquoi tu restes à... Même pas 300 joules. Le nombre qui passe devant toi qui est suffisamment proche pour que ça fasse sombre. Là t'es carrément en train de perdre. Avec l'ombre de la structure, tu es en train de perdre. Et toi, un ombre aussi. Montre ça. Ces vitres-là, ça va. Celles-là, elles sont trop opaques. Alors, du coup, comme là, on est en positif, c'est le moment de vérifier. Qu'est-ce qui se passe si on ferme tout ça? Non. C'est un peu trop opaque pour que je vois ce qui se passe. Il entre. Ah. Seulement j'avais l'info. Ouais, je pense que la radiation est plus faible à cause de la vitre. Le problème c'est que j'arrive pas à la fois à être dedans et à fermer le volet. Pipe. Est-ce que je peux peut-être me prendre un tout petit peu? Dans le pipe, il y a 0,1 mol. Il y a 2 molles. Ok, donc là je pense que je suis dessus. J'ai une molle. Est-ce que je vais réussir à la voir ?
Oui, mais je vois pas le haut de ma tablette. Change de main. Ah bah voilà. Bah c'est toujours en train de ratatiner. Donc ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. De trucs qui ne marchent pas. Là, tu en es où? Kilopascal. J'aurais peut-être dû l'attaquer avec un... ah, avec une volume pump pour purger. En jeu comme ça. Et toi, tu fais quoi là-bas? C'est en train de chauffer là. 180, 174. Ça t'arrive pas à le faire baisser? Ah si, 169. Ça baisse. Si. Efficacité. Ça baisse bien. Ça baisse vite même. Pas une grosse quantité de gaz. Gros tampon, mais ça baisse bien. Là, on a un petit tampon. Baisse comme il faut. Ça baisse bien. Là, ça monte. Non, ça baisse. Je suis con. Ça baisse aussi.
là. Tu baisses ou tu montes? Baisse ou tu montes? J'ai l'impression que tu montes encore. Oui, non mais ça c'est la pression, c'est normal. Pour ce qu'on injecte, il reste. On baisserait si on coupait ça. Je ne peux pas faire. Bon. Là, on est descendu à 110 joules de... Ah, on va s'occuper du West Tank. Qu'est-ce que je vais... on en a de l'oxygène là ? Quoi ? Oui. J'ai eu peur. L'espace d'un instant, j'ai eu peur. Même encore un peu d'hydrogène, enfin de volatile. Tiens, t'as tout purgé ce coup-ci. Et température, on était... Ah oui, 35-60. Oui, c'est chaud, mais ça va. 35 degrés, c'est chaud, mais ça va. C'est très chaud, par contre. Comment ça se fait que c'était chaud comme ça, toi? J'ai de nouveau une pénurie parce que du coup oui voilà bon je m'occupe de cette injection là. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Il faudrait minimiser la quantité de gaz qu'on met dedans. Comme ça, on favorise une forte montée en température et on met moins de temps à le purger. Il faudrait que je mette une one way. Non, dans l'autre sens. Derrière moi. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!